Et yo tout le monde, c'est 2073, notre première vidéo sur Fortnite Battle Royale. Je vais découvrir la nouvelle saison, saison 3 du chapitre 4. J'espère que ce sera pas une saison 3 du chapitre 3, là. Dire comme ça, là. J'espère que ça va être différent. Du coup, je vais découvrir ça maintenant. Pour moi, ça a l'air d'être une bonne saison. Comme la saison dernière, c'était une bonne saison. Voilà. J'ai bien kiffé le thème jungle, en tout cas. Enfin, je trouve stylé, perso. Là, c'est un bon. En plus, il y a Transformers sur le jeu. C'est incroyable. Du coup, me voilà dans ça. Ok, du coup, on peut maintenant monter sur des Raptors qu'il n'y avait pas avant. Et quête de Transformers. Accomplissez sa quête de Transformers avant le 22 juin. Ok. Et du coup, ouais, j'ai le pass. J'ai le skin, donc je le mets. Hey, il est dehors, ouais. Il est d'art. D'ailleurs, juste avant, je vais juste. C'est là-dedans, je crois. Je vais juste. Voilà, je vais couper le son des copyrights parce que j'ai pas envie de me faire encore copyright sur mes vidéos. Du coup, on va tout de suite lancer une game. Enfin, on va vite fait voir le pass de combat. J'ai pas envie de passer 1000 ans aussi dessus. Voilà, du coup. Je sais même plus où il est le Battle Royale. Il est là. C'est bugué Fortnite, hein. On s'y habitue. Là, Battle Royale. Voilà, classé, non pas classé parce que c'est complètement, enfin pas claqué mais un peu mal foutu leur classement. On passe de combat, bon je fais un peu vite fait parce que j'ai pas trop le temps. Voilà, bon du coup, ouais, là, on va faire vite fait, regarder planeur. Ça fait beaucoup penser à un skin qu'il y avait à la saison 2 du chapitre 3. C'était un skin animé à peu près, je sais plus comment il s'appelle mais... Après une traînée. Ouais, elle gêne beaucoup quand même, elle est un peu chiante. Ok, le jeu freeze. Le jeu freeze. Bon, du coup, bon, le jeu crache toujours comme par hasard quand t'es pressé, hein, mais c'est pas très grave. Bon, du coup, voilà, on a vu ça, voilà, une pioche, voilà, ça a bugué ici, exactement. J'espère que ça va pas rebugger. Une danse, ok. Skin, fugage, fugage, fugace. Si en vrai, ok, sac à dos basique en vrai. Fuga, ok, rebelle, oui, il se rebelle un peu trop là. H, magma, Ryan. Là, j'aime bien le skin. Ok, là, bon, c'est ma pioche, un vert, ça, c'est bien ça. Purée. Il y a beaucoup d'animes de dessin, on va dire, dans cette émote. Beaucoup de feu, beaucoup de nuages. Rihanna végétale. En vert, bah nickel. Hein. Ok, une traînée. Relique. Ok. C'est un peu le mec de la lave. Ok. Une pioche. Ok. As de chasseur. Un planant sentinelle céleste. Ok. Relique des hauts troubles. Ok. Bon, désolé si je faisais un peu rapidement, mais c'est parce que vraiment, j'ai pas trop le temps. Je dois faire ça vite fait, quoi. Aile de Cazodora. Cazodora. Un planeur. Trop stylé, je le trouve. Mariposa. Ouais, je l'aime bien, ouais. Décompte au tapis. Ah, oh, je l'aime bien. C'est, ça fait bon. C'est pas vraiment la bon, la bonne période. On n'est pas trop en Halloween, mais voilà quoi. Après, bon, rien d'intéressant. Le skin Lorenzo. C'est le, pas le palier 100, je crois. Je crois que c'est pas le Transformers. Je pense que c'est ça. Elle aventureuse. Détresse totale. Ok. Lorenzo le charmeur. Ok. On a des beaux skins. Réfaçage central. Oh, j'aime bien. Après. Oh, bah nickel. Un planeur vert, mais là. Rien à dire. Era intemporelle. J'aime bien. H Cybertroniel. Ok. Et Transformers. Canon ionique.
Ok. Bon. Je vais pas trop regarder ça, mais voilà. Et nos styles, ok, j'en pense quoi? Bon, ok, voilà. Ça, tac, 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 ok. Wesh, y'a mieux où ce clé, gros. Y'a mieux où ce clé. Ah, c'est skin secret en plus. Bon, du coup, Meowth's Clef, le skin secret de cette saison. Okay. Ça aurait pu être Transformers, ce perso. Bref. Bon, du coup, vu que je me pressais, bah, on va juste vite fait lancer une game. Voilà, on va lancer une game. Juste à quoi ressemble la carte. Ouh, ça, je pense, ça va être tout l'endroit de jungle, tu vois. T'as toujours l'endroit où de Mega City futur et t'as toujours ça. Ce que j'aimerais bien, c'est que pour la dernière saison, la saison prochaine, c'est la dernière saison. Je sais qu'il y a bientôt chapitre 5, voilà. J'aimerais bien qu'il y a tout qui garde, tu vois. Genre, t'auras thème. De neige ici, jungle ici, futur ici. Alors déjà, un changement qui a apparu maintenant là. De base, quand les villes tu les as jamais vues, tu peux pas voir le nom, mais là on peut le voir. Du coup, le bus il est là, les gens vont spawn plus vite là, et là, du coup, je vais aller au plus loin, ici bien sûr. J'espère pas être déçu. En vrai, pourquoi je serais déçu, ouais. Après voilà. Hein. Le début, ça se trouve j'ai kiffé, et ça se trouve ça va être une saison 3 du chapitre 3. Parce que oui, je vais pas vous préciser, mais pour moi, ce qui m'a refroidi sur Fortnite, c'est deux saisons qu'ils ont suivies de suite. C'était la saison 3 et la 4 du chapitre 3. C'était les pires. Parce que j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait Epic Games dans ces saisons. Il y avait, enfin, surtout le truc d'été, il y avait rien. Saison 4, il y avait rien. Il y avait du chrome. Enfin, surtout l'événement de fracture était le pire événement du jeu, mais ça a été confirmé par tout le monde, ça. Bref, c'était une catastrophe cette période. Heureusement, le chapitre 4 était là pour un peu sauver le jeu, hein, mais. Bon, même, je kiffe un peu plus le jeu, mais j'y joue plus comme avant. Ça change pas, mais voilà. Bon, là, on voit bien le thème jungle. C'est marrant parce que regardez, avant je spawnais toujours sur la partie future. Maintenant, je spawn toujours là parce que je vais kiffer. Bon, j'espère pas mourir aussi vite. Bon, c'est vrai que niveau FPS, ça pique un peu. Peut-être parce qu'elle est sortie aussi aujourd'hui la saison aussi. Bon là ça va, j'étais à 30 mais là je suis à 50, bref. Après j'ai plus trop l'habitude d'une PS4 là, c'est parce que là j'ai pas le choix de tourner sur PS4 mais. Maintenant c'est surtout PC ou PS5. Du coup voilà, j'ai pas trop l'habitude. Déjà, je trouve assez beau le jeu sur PS4. Après niveau FPS ça peut piquer. Oh ça j'ai pas fait gaffe. Pente, ouais, je connais pas trop, faudrait que je fasse gaffe un peu. Ah dommage, ah j'ai vraiment pas de chance. Ma relance vite, hein, purée, et je meurs dès le début, c'est vraiment pas de chance. En même temps, le tambour est de retour. Putain, ils ont mis un pompe claqué au sol aussi. C'est bizarre d'avoir mis ça. Pour. Attends, Fortnite, ils sont pas logiques. Les gens demandent dans Space 12 des armes bonnes, tu vois. Epic Games font l'inverse, ils mettent des armes qu'on aime pas. C'est juste un truc comme ça. Oh, une nouvelle arme. Ah oh, bah bien sûr, je peux pas le voir. Ah, ce fond d'écran. Bon, du coup, je vais aller plus loin. J'espère pas en mourir dès le début, s'il vous plaît. Oh, par contre, les arbres, ils sont immenses. Apparemment, on peut glisser sur ça. Faudrait que j'arrive à tester ça. Oh, une nouvelle arme. Oh, stylé! Je peux activer ou désactiver le mode. Je trouve ça stylé, c'est une bonne ajout, je trouve. Je fais gaffe. On le voit, on le voit. Je te vois, mon gars. Par contre, j'ai pas des bonnes armes en fait. J'ai pas des bonnes armes. Il y a un pompe, ok, on y va. Je vais mettre quoi, les amis? Attends, y'a un mec là-bas. Comment on active ça? Hop là, double kill. Et du coup, on peut glisser sur ça. J'aime bien qu'ils changent les thèmes un peu. Le futur, c'était des rails à peu près futuristes. Et là, c'est complètement différent. Quelqu'un est là ou pas? Wesh. Attends. Ah ouais, l'effet de boue, j'aime bien. Je kiffe. Ah, ça, c'est pas un œuf?
Faire éclore. Et t'as un raptor. Ça, j'aime bien ça. Ok, c'est quoi? Attends, voler les notes. Les notes. Les notes. Vénard. C'est dommage qu'on fait pas plus de dégâts qu'on n'a pas le truc activé. Oh là, je suis claqué. Moi, oh, je suis claqué. Ok, mais il est assez un bot. Non, mais je suis pas chaud là, c'est clair. Là, il y a encore l'île qui va spawn. Parce qu'il y a une faille. Si l'île a spawn encore sur le jeu, ça serait stylé. Ouais. Parce qu'en vrai, l'île quand elle spawn, il y a tous les trahiers qui... Wesh! Attendez, je vais prendre ça. Bon, ça prend énormément de temps à se charger. Attends, vas-y, on teste l'arme. Attends, on va tester. Oh, oh. Oh! Zapotron 2.0. Ah oui, pour le temps de chargement, c'est 30. 30 secondes et on a que 2 charges. Du coup, ouais, ça va, c'est pas cheaté en vrai. Le guide va... Enfin, tu dois attendre beaucoup pour le réutiliser. Arsenal et Inspect. C'est un nouveau, je vais voir c'est quoi. J'ai un mis derrière. Oh, c'est quoi ça? Bocal à guêpe. Bocal à guêpe. Tu vas me dire que... C'est comme sauver le monde. Il est où, il est où? Ok, il y avait un autre gars qui a spawn. Ah, dommage. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps. Mais déjà, je peux donner. Bon, même si j'ai vraiment pas encore tout découvert, voilà. Mais j'ai. Il y a le Zapotron 2.0. Tu charges. Et le gars, ça met 110, Google. C'est assez fort. Puis, passe de combat, en vrai, je le trouve bien stylé. Il y a des. Je pense que la moitié des skins, il y a des skins gars et des skins filles. C'est équilibré en vrai. C'est pas que des skins filles, voilà. Ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien la saison pour l'instant. What, 30 000 XP? Il faut combien d'XP pour passer ce niveau? 42 000. Je pensais 80 000. Bref. Bon voilà, on va se laisser là. Même si j'ai pas eu bien le temps de découvrir cette saison, je l'ai découvert vite fait. Voilà, même si j'ai fait un peu ça à l'arrache. Voilà. Bon, du coup, voilà. C'était Virtua 73. Allez, ciao!